Alors là, je vais accueillir Sébastien, mon coach sportif, très bon ami de ma nièce, qui vient à domicile m'entraîner, me faire faire du sport, me muscler, retrouver un corps de déesse avant l'été. Quand on n'a pas le temps d'aller dans les salles de sport parce qu'on a un emploi du temps chargé, parce qu'on a des enfants, parce qu'on court partout, le matin, je commence ma journée par une séance d'une heure avec Sébastien qui va faire travailler mon ventre, mes fesses, mes cuisses et par la même occasion, me faire retrouver ma ligne d'antan. Voilà, Sébastien va nous expliquer pendant cette séance quoi faire pour avoir un corps de déesse. On inspire, et on inspire, on souffle, on souffle doucement, si tu es moins droit, voilà. Toujours entrer en jeu de déjà les pousser, mais tu vas plus être sur les pouces ici. Ok, ça marche. L'idée c'est de te tenir droit. On va essayer de tenir 20 secondes. Au bout de 20 secondes, tu te relèves ici et on part en front. D'accord. Allez, on va. Le droit, jusqu'à les abdos, tu inspires et tu souffles. Tu inspires, tu marches en rond, tu serres les pouces, tu fais un aller-retour, tu reviens en chaîne. Ok, c'est parti. C'est parti les filles, les garçons. Ça va là, vous? Des genoux ici et on va chercher vers l'avant et on souffle en remontant, d'accord.
L'idée, si vous commencez, on ne va pas chercher loin et on revient. On est juste là et on revient. Et au fur et à mesure qu'on maîtrise, on va chercher vers l'avant et on souffle ici. D'accord ? L'idée aussi, faire attention, c'est votre dos. N'allez pas chercher trop vers l'avant et ne laissez pas tomber le bassin. On serre le fessier ici, on va chercher, on va embêter le chat. Voilà, le repère, on va dire que c'est le chat, hop, et on revient. Ok ? C'est parti. Sur ton dos, laisse pas tomber le dos, inspire, voilà, rentre un peu la tête, allonge ton bras et tu reviens, parfait. Tu sens les abdos là, ça va? Surtout au début, on travaillait juste sur le tapis. Tu veux remontrer juste l'exercice, tout à fait. Voilà, c'est juste ça, d'accord. Où tes fessiers frôlent le sol, tu remontes, tu vas chercher bien jusqu'en haut. Très bien, super. Donc maintenant, tu es à l'aise sur ça quand même. Ça fait plus beaucoup d'effet, on va dire. Ça brûle un peu, mais c'est pas mal. Donc là, on va prendre une chaise ou un tabouret, ce que vous avez chez vous, même une table de basse ou autre, et on va juste mettre les pieds dessus. Ok, ça va. Et l'idée, c'est d'avoir encore plus d'amplitude ici. Tu vas chercher jusqu'en haut. Voilà, tu inspires, souffle. Inspire et souffle. Parfait. Alors là, c'est assez impressionnant parce que tout travaille. C'est-à-dire l'intérieur des cuisses, les abdos, les fesses. Et pour terminer, pareil, si vous êtes encore à l'aise, Olivia, des fois, elle prend des bouteilles d'eau dans les mains et elle les met juste au niveau des cuisses ici. Tu vois, tu peux tenir. Ça ajoute un petit peu de poids, donc un peu de difficulté. Et là, on localise vraiment les fessiers. Ça va ? Fessiers, intérieur des cuisses et abdos. Ça, c'est un exercice qui fait travailler trois parties du corps pour moi. Alors, il y a un petit enchaînement qui peut être sympa, c'est qu'elle fasse 10 mouvements. Là, tu vas bloquer en haut et on fait 10 petits mouvements en haut. D'accord ? Donc là, on va dire que tu as déjà fait quand même des grands mouvements. Vas-y, reste en haut maintenant. Et tu peux terminer, voilà, 10 petits comme ça. 10, 9, 8, 7, ce rythme est top. Voilà, 4, 3, 2 et on relâche. Voilà, super. Ça va ? Bonne chance. Chez vous, assez solide, vous pouvez le faire. D'accord ? C'est vraiment à la portée de tout le monde. Donc là, vous placez un pied bien ancré au sol, sur le canapé. On se tient droit et on pousse. Hop, on serre les fessiers. On maîtrise la descente. Et on pousse, d'accord ? On reste, on peut faire 10 répétitions, 15, 20, 25, 30 selon le niveau, d'abord dans une jambe et après dans l'autre. Et on peut faire 5 tours comme ça, sans récupération. Ok ? Et on passe à l'exercice suivant qu'on a mis ensemble. Ok ? Okay. Super. C'est parti. Comment tu sens là ? Ça tire effectivement dans les fesses. Super. Ça brûle un peu au niveau des fesses. C'est top ! Voilà ! Super. Donc à répéter, bien évidemment, autant de fois que vous le pouvez. Ok, donc là on a fini la séance, d'accord ? Tout s'est bien passé. Ça va ? Très bien, bon, super. On va se relâcher un peu, s'étirer, d'accord ? C'est vraiment important de s'étirer doucement, de ne pas tirer trop dur, mais vraiment de se relâcher. On va commencer au niveau du tapis. Tu vas mettre tes genoux sur le tapis. Tu vas juste te redresser une dernière fois. On va inspirer et on souffle. On tire jusqu'au bout des doigts. Tu vas lever la tête comme si tu voulais toucher le plafond. Et on relâche.
tourne la jambe à l'arrière. Et s'allonge sur le genou à droite. Parfois, du même temps. Son coach à domicile, pas de perte de temps, pas besoin d'aller à droite et à gauche. Vous pourrez retrouver toutes les astuces de comment gagner du temps en faisant son sport, son esthéticienne, etc. sur le blog des petits papiers de Livia. Merci Sébastien.